Je suis Pierre Lehier, je travaille chez Unitel Smart Building en tant que directeur technique. Nous avons sollicité la métropole de Lyon dans le cadre de la construction du bâtiment Canta à Lyon pour les travaux de géothermie sur sonde qui permettront à terme de réaliser le chaud et le froid de notre bâtiment. Comme la foncière Jaguar, passer aux énergies renouvelables avec la prime éco-chaleur. Dans le contexte du chantier, nous avons souhaité pousser la solution de géothermie. Donc nous avons étudié la solution de géothermie sur nappe et sur sonde via un bureau d'études Antea qui nous a informé dans un deuxième temps qu'il était possible de bénéficier de la prime éco-chaleur. Donc nous avons fait les démarches pour pouvoir faire la subvention avec la métropole et l'ALEC. La prime éco-chaleur, c'est un accompagnement gratuit avec jusqu'à 70% d'aide pour la partie études. Au total, les travaux nous ont coûté aux alentours de 280 000 euros. Nous avons pu bénéficier sur la part travaux de 30% d'accompagnement de subvention et sur la partie études de 70% des coûts d'études de faisabilité. La prime éco-chaleur, c'est aussi une aide forfaitaire pour la partie travaux en fonction de la production d'énergie renouvelable. Sans la prime éco-chaleur, ça aurait été beaucoup moins évident de pouvoir accompagner jusqu'au bout la partie géothermie. Donc pour ceux qui se posent encore la question de la prime éco-chaleur, nous, ça nous a permis de transformer le sujet de l'éco-responsabilité de nos bâtiments et de l'énergie renouvelable. Donc allez-y, foncez.